Ce n'est pas tous les phonos qui font la parcelle. Il y a d'autres phonos, quand tu fais la parcelle, c'est dur, ce n'est pas tendre. Mais uniquement les phonos de 2 mois, les phonos blancs. C'est ça celle qui peut faire la pâtisserie. Il peut faire le pain et tout autre. Même au Sénégal, même en Guinée, personne ne connaît ce que moi j'ai fait sur les phonos. J'ai vraiment innové les phonos, surtout sur la pâtisserie. Alors, je pense que si aujourd'hui tout le monde découvre ça, on n'aura plus envie d'importer la farine de bleu. Mais ça, c'est une farine naturelle, bio. Et c'est conseillé aux diabétiques, conseillé aux personnes âgées, et conseillé à tout cas, toute personne pour manger naturel, manger bio, pour manger la pâtisserie à base de la farine de fenouil. C'est diététique, ça a beaucoup d'énergie. Si tu manges un gâteau, toute la journée, tu n'as pas faim. Je connais 42 mets à base de fenouil. 42 mets. C'est pourquoi, si vous voulez que je vous fasse le fenouil, vous pouvez manger fenouil matin, midi, soir, mais différentes. Mais tu ne sauras pas que c'est fenouil que tu manges. T'inquiète pas, on peut même aller au niveau international, on va compétir, on va gagner. Parce qu'il y a l'innovation. Le fenouil à 2 mois, ça a un peu de l'amidon. Le fenouil même, de 3 mois, 4 mois, ça n'a pas de l'amidon. C'est pourquoi la farine est dure. Le fenouil de 2 mois, il y a un peu de l'amidon dedans. Ça qui fait qu'on peut faire la pâtisserie, on peut faire le pain. Ça ne sera pas dur. Le Guinée, c'est le pays, le premier pays producteur de l'Afrique. Ils n'exportent pas trop, c'est les Maliens qui vont acheter chez eux. Et même, ils sont là, c'est localement. Quand on a dit qu'il y a pâtisserie, j'étais étonné. Il y a couscous à base de telle chose, ils s'étonnent. Et là, c'est la pâte, c'est tout. Bien, c'est couscous simple, c'est tout. Mais c'est le premier pays producteur.